Let's meet in Paris. Let's meet in Paris. Paris 2018. Du 4 au 12 août 2018, la 10e édition des Gay Games offrira un programme ambitieux sur 10 jours pour les milliers de participants venus de 70 pays et pour des dizaines de milliers de spectateurs. Il y aura 36 sports, soit plus de 150 compétitions ouvertes à toutes et tous, professionnels ou non. Car oui, si vous êtes sportif du dimanche, comme moi, ces jeux sont aussi faits pour vous. Venez participer, jouer un match de football, nager, patiner en roller ou sur glace, courez, faites une partie de bowling, une randonnée en vélo ou essayez-vous à la pétanque. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies. Alex Taylor, merci de répondre à une question de l'émission Homo Micro. On vous a demandé ce soir d'animer la conférence de presse de Paris Gay Games 2018. Vous avez tout de suite accepté cette invitation et l'animation de cet événement. Évidemment, surtout que je suis un peu impliqué dans le BID parce que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'animer le BID il y a 4 ans. Je suis allé à Cleveland où on était en compétition, Paris, contre Londres même et Dublin. Et c'est Paris qui a emporté, donc je suis très fier maintenant qu'on me demande d'animer la conférence de presse. Je vais annoncer ça et aussi annoncer la ville qui va, ouais, qui va organiser les games après. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent que Paris 2018, c'est un événement de trop, c'est un événement ghetto et que Paris va investir de l'argent pour rien et ça va permettre aux gays de se retrouver, aux homos de se retrouver pour un peu faire évoluer les mentalités chez ces gens-là qui pensent le contraire? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense qu'il faut qu'ils viennent, parce que moi j'ai participé à des Gay Games déjà, j'ai vu ce que c'est comme événement joyeux, c'est pas du tout un événement qui est fermé aux gays non plus, c'est un événement qui est très joyeux et qui change un peu les mentalités, comme vous avez dit. Ouais. C'est très bien d'associer l'émotion du sport à un événement d'aspiration gay. Nous sommes heureux, fiers et honorés d'organiser ici à Paris les Gay Games en 2018. Nous sommes convaincus que le sport porte en lui des valeurs fédératrices de tolérance, de respect, d'égalité, de fraternité. Et dans un monde où, en ce moment même, les femmes se lèvent pour condamner les violences qu'elles subissent de la part des hommes, dans un monde où, aujourd'hui encore, on tue des hommes et des femmes parce qu'ils ou elles sont homosexuels, dans un monde où malheureusement certains ne comprennent pas l'altérité, n'acceptent pas la différence, il y a besoin que tous nous soyons ensemble, debout, pour défendre des valeurs de tolérance, de respect. Et le sport, c'est d'abord la compétition, c'est le chemin, la route vers la victoire, vers la gloire. Mais le sport, c'est aussi ces valeurs de partage et de fraternité. Et je conclurai par une magnifique citation d'Albert Camus qui, à la fin de sa vie, a dit « Je comprends ici ce qu'est la gloire, la vraie gloire. La vraie gloire, c'est le droit d'aimer sans mesure. » Et finalement, c'est ça qui nous réunit tous ici ce soir, le droit d'aimer sans mesure, qui que nous soyons, où que nous souhaitions aller et qui que nous souhaitions aimer. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont encore réticentes de voir un événement comme celui-ci s'organiser à Paris? Beaucoup pensent le ghetto, beaucoup disent que c'est un événement importé des États-Unis. Votre mot à ce sujet-là, pour les convaincre, ça fait, pour les faire ça venir. Fait effectivement plusieurs années qu'on entend dire que les Gay Games seraient un événement communautaire, voire communautariste. Moi, je leur conseille d'abord de venir. Hétéro-homo de venir aux Gay Games à Paris dans quelques mois, et ils verront que c'est d'abord un événement inclusif qui fait de l'égalité, de la fraternité, de la tolérance la base du sport, la base de toutes nos valeurs communes. Et je pense qu'au contraire, on a plutôt besoin de ce type d'événement fédérateur
qui essaie de pas du tout de gommer les différences, mais au contraire de montrer que nos différences, les différences entre les individus, les orientations sexuelles, les différences sexuées ou non, eh bien, elles font la richesse de la communauté humaine. Et cette communauté humaine, elle mérite d'être célébrée. Et c'est ce que fait, c'est ce que font les Gay Games. C'est rien d'autre que finalement la célébration de l'humanité dans sa diversité. Et donc tout le monde est bienvenu, y compris les hétéros, et y compris ceux qui pensent que c'est un événement communautariste, ils verront que ce n'est pas le cas. On aura l'occasion de vous voir sur un événement, sur une discipline, une pratique, la pétanque. Je réfléchis à la discipline sportive, la pétanque. D'un point de vue sportif, je pense que c'est ce qu'il y a de plus accessible pour moi, encore que les vrais boulis sont très bons. Mais sinon, peut-être le vélo, la course à pied, c'est les deux seuls sports que je fais, mais j'ai peur de ne pas être complètement au niveau. Mais on m'a expliqué que tout le monde pouvait participer et que l'important est de participer, pas forcément de gagner, ce qui, moi, va m'arranger. Je vais inviter maintenant Bruno Pascal et Manuel à venir signer la convention qui rend officiel donc ce partenariat entre la ville de Paris et Paris 2018. Donc, nous sommes munis d'une plume. Et donc, there we are. We're going to now proceed to the signature of the papers which makes the partnership official between the town of Paris and Paris 2018. Voilà! Daniel Picot, la convention vient d'être signée qui lie les Gay Games à la ville de Paris. Quel est ton sentiment? J'imagine que tu dois être heureux. En fait, c'est la concrétisation, la formalisation d'un travail qui a commencé il y a 5 ans avec la ville de Paris pour candidater à l'organisation des Gay Games et ensuite pour organiser, rendre possible les Gay Games à Paris. Et c'est une convention importante parce que Paris est le premier partenaire de l'organisation des Gay Games. Il nous apporte des avantages à la fois financiers et logistiques, la mise à disposition de locaux. Et tout ceci est formalisé pour que non seulement les Jeux soient organisés ensemble, mais qu'en plus on réfléchisse déjà sur l'héritage des Gay Games pour que ce projet, qui nous aura liés pendant 6 ans, continue ses effets bien au-delà de 2018, notamment pour lutter contre les préjugés et les discriminations. Nos Jeux s'inscrivent en effet dans un long combat contre les discriminations. Et c'est pour ça que cette affiche est un message engagé. Nous nous inscrivons dans un combat pour les droits des personnes lesbiennes, gays, et trans. Our games combat prejudices and fight for LGBT rights. Les Gay Games ont été imaginés en 1982 par le docteur Tom Waddell. Il disait notamment: les Gay Games ne sont pas communautaristes, ils ne sont pas exclusifs, ils ne sont pas dédiés à la victoire, ils ne sont pas faits pour le profit. Ils sont au contraire destinés à rassembler une communauté mondiale dans l'amitié, à expérimenter la participation, à élever la conscience et le respect de soi et à réaliser une forme de synergie culturelle et intellectuelle. Les Gay Games ont accompagné l'évolution de nos droits. Our rights come along with the Gay Games. Rappelez-vous, l'homosexualité n'a été dépénalisé en France qu'en 1982, au moment où on crée les Gay Games. L'OMS n'a retiré des maladies mentales l'homosexualité qu'en 1992. Et tous les couples peuvent se marier que depuis 2013 en France et 2015 aux États-Unis. Mais le combat n'est pas terminé. Fight is not over. Dans 74 pays, les personnes LGBT vivent encore des cauchemars. Elle risque la peine capitale dans 13 pays. Les insultes sur les terrains de sport sont encore trop souvent sexistes et homophobes. En France et dans le monde, de nombreux athlètes LGBT dépensent une partie de leur énergie pour cacher ce qu'ils sont vraiment. Nous affirmons que si l'homophobie recule dans le sport,
c'est l'ensemble de la société qui respectera davantage la diversité des états de santé, des orientations sexuelles, des identités de genre et également des handicaps, des origines, etc. Tout à l'heure, vous avez dévoilé l'affiche de l'événement. Alors, il y a une flamme arc-en-ciel et le thème, la thématique de l'affiche, c'est le respect. Les jeux, des jeux pour le respect. Encore aujourd'hui, dans notre société, mais encore plus dans le monde, notamment les personnes LGBT doivent recevoir tout le respect. Et nous, nous allons beaucoup plus loin. C'est que nous cherchons à ce que tout le monde soit respecté, quelle que soit son identité, quelles que soient ses différences. Tout le monde est bienvenu au Gay Games. Et venir au Gay Games, c'est supporter cette idée que nous faisons ensemble une société et voilà, c'est l'incarnation de nos valeurs humanistes et bienveillantes. Les Gay Games en 2022 pour la 11e édition et la ville de Hong Kong. Vous allez passer le relais à Hong Kong, ça vient d'être dit aussi ce soir par Bruno Julia. En fait, on va passer le relais l'année prochaine à la cérémonie de clôture le 11 août 2018. Et c'est là que, effectivement, Hong Kong va avoir la mission ambitieuse, grande ambition d'organiser les Gay Games à Hong Kong pour la première fois en Asie. Merci Emmanuel. Donc on va inviter tout le monde à s'inscrire. C'est toujours possible, bien sûr, de s'inscrire à cet événement qui va démarrer le 4 août. Les inscriptions sont réalisables depuis l'année dernière et c'est encore possible sur paris2018.com. Chacun peut s'inscrire. Il suffit d'avoir 18 ans. C'est la seule condition. Merci Emmanuel. Time after time. I've done my sentence and committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, and I've come through. On and on and on. We are the champion, my friend. Madame Bachelot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous soutenez les Gay Games et vous êtes marraine. Pourquoi ? Oh, j'ai soutenu les Gay Games dès qu'on est venu m'en parler, il y a de ça plusieurs années. Figurez-vous que j'étais encore ministre, donc ça fait au moins 5 ans. Mais je pense même 6 ou 7 ans, c'était un projet important et qui rentrait tout à fait dans ce qui constitue un des fils rouges de mon engagement citoyen, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations. J'ai trouvé le projet extrêmement intéressant, d'abord en soi, et puis le fait que ces Gay Games puissent se dérouler à Paris, chez nous, un petit peu de cocorico en plus, ça ne fait pas de mal. Alors vous soutenez les Gay Games, pourquoi? Parce que vous êtes le parrain aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que voilà, je suis tout à fait parrain et heureux de l'être, et ravi et même fier de l'être, parce que voilà, c'est par rapport, pour montrer aussi une autre image, pour montrer aussi une autre image, parce que je trouve que les Gay Games, justement, ça montre l'image qu'on n'a pas tellement par rapport à l'homosexualité, et qu'en général, on ne pense pas du tout sportif, ce qui est mon cas, je ne suis absolument pas sportif, mais je le fais quand même, parce que je trouve qu'il faut être là, et que c'est important de montrer qu'on a des athlètes qui sont très valables, et qui peuvent être aussi bien, sinon mieux que d'autres.
Monsieur Cluzel, vous venez de recevoir le prix d'honneur de Paris Gay Games 2018. Vous le méritez. Je ne sais pas. Écoutez, il y a longtemps que je m'implique pour les droits LGBT. Je viens d'un milieu qui n'était pas favorisé. Je suis né dans une banlieue assez défavorisée, pleine de préjugés. Et donc, quand j'étais en situation de rendre aux autres ce qu'ils m'avaient donné, ben, j'essaye de le faire. Voilà, c'est tout. Alors, quand on voit votre parcours, on se dit, mais de quel milieu vous venez d'ailleurs ? Mes parents étaient quincaillers. Oui. Vous voyez, alors, c'est un métier qui n'existe quasiment plus. Hein. Et de quelle banlieue parisienne, pardon ? Kremlin-Bicêtre. Kremlin-Bicêtre. Aujourd'hui, dans le Val-de-Marne. Ouais. Et alors, le fait de soutenir un événement comme celui-ci, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui pour être toujours là avec nous ? Écoutez, je pense que quelque chose qui unit autour des valeurs du sport des personnes LGBT, mais aussi venues d'autres milieux, c'est-à-dire que montrer que nous sommes tous en situation d'être fiers de ce que nous sommes, d'essayer de nous dépasser, d'accueillir les autres, d'être un exemple d'inclusion pour l'ensemble de la société, je pense que c'est un exemple valable. Madame Fourneyron, vous venez de recevoir un prix des Gay Games. Il s'agit de quoi exactement ? Écoutez, c'est un joli clin d'œil avec ce prix, parce que c'est vrai que au moment où il a fallu porter cette candidature des Gay Games 2018 à Paris, où il fallait accompagner cette candidature, certains auraient peut-être juste fait un petit courrier de soutien. Moi, j'ai souhaité aller plus loin. J'ai accompagné cette belle équipe jusqu'à Cleveland, jusqu'à ce moment d'audition, oui, où il fallait matcher avec les autres. C'était Londres, c'était l'Irlande. Et on a, à cette occasion, passé un moment à la fois stressant et à la fois merveilleux de victoire tous ensemble quand on a été désigné pour cette 10e édition des Gay Games. C'est pour moi très important de considérer qu'avec le sport, on peut aussi ouvrir des horizons, permettre à ce qu'il y ait une véritable ouverture au monde. Et pour Paris 2018, les Gay Games, je suis persuadé qu'on symbolisera cette ouverture à la diversité. Alors j'ai avec moi deux grandes personnes qui dépendent du mouvement handisport. Ce soir, ils sont à soutenir les Gay Games. Et on va leur demander pourquoi. Ben, on le soutient parce que par amitié déjà pour toi, pour Liliane, pour plein de gens qu'on connaît, et puis par ailleurs pour la diversité, quoi, en règle générale. Nous on a notre spécificité, c'est d'être en fauteuil roulant. Et puis voilà, et les personnes homosexuelles, c'est notre diversité. Et on trouve que chacun a sa place dans cette société et dans le sport. Donc on est là aussi pour soutenir tout un mouvement qui correspond à nos idées. À l'Institut, il va y avoir des athlètes handisport qui vont se présenter et participer à l'événement Gay Games. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est qu'on pose la question par rapport aux Gay Games. Non, la diversité, c'est l'ouverture. Et puis je pense que chaque communauté, même si j'aime pas trop le mot communauté, apporte toujours un plus dans la construction, dans le savoir-faire et le savoir-être. Et ça, c'est très important. Alors, on va parler de sport, mais on ne parle pas que de sport. Il y a aussi la culture. Oui. Il y a tout un domaine particulier qui va rentrer dans le cadre de ces jeux. L'expression culturelle, artistique et la créativité, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans le sport traditionnel et que LGBT. Excuse-moi. Les LGBT, oui. Vont apporter en plus. Ouais. Vont apporter en plus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui pensent qu'un événement comme celui-ci, c'est un événement ghetto qui va réunir encore une fois les homos et que les hétéros vont être loin de tout ça et que c'est un événement de trop et de plus qui va coûter à la mairie de Paris ? Effectivement, ne serait-ce que peut-être à partir de la dénomination même de la terminologie gay. Parce que la terminologie gay verse forcément dans une communauté avec une connotation sexuelle derrière. Voilà.
faut peut-être l'ouvrir justement, ne, peut-être pas l'appeler Gay Games, donner peut-être un autre nom et l'ouvrir à toute la diversité. Les jeux de la diversité. Et je pense que voilà, personne n'y verra malice ou quoi que ce soit, parce que nous on a notre diversité, vous vous avez la vôtre, d'autres ont la leur. Et dans l'handicap, il y a plusieurs diversités, parce que tu as les handicaps physiques, les handicaps mentaux, tu as les nains, il y a vraiment énormément de diversité. Donc en fait, il faudrait appeler ça les jeux de la diversité. Et je pense que voilà, ça passerait. Franchement, moi, ça me choque pas. Moi, je verrais un plus. C'est la notion aujourd'hui qui est très décriée ou qui fait polémique, c'est ce qu'on appelle le transgenre. Oui. Aujourd'hui, dans une vision des Gay Games, est-ce que tu vas faire une différence entre les hommes et les femmes? Oui ou non? Non. Non. Ben voilà, t'as déjà la réponse. Merci en tout cas. Donc, c'était le mouvement handisport, très ouvert. Et pourquoi pas appeler, c'est une très bonne idée, les jeux de la diversité. Et d'université. Merci à vous. Merci.